Alors, je vais remettre les thèmes pour arranger un peu et permettre à ce que Monsieur l'aveugle, c'est quoi ici? Monsieur l'aveugle, Oui. c'est quoi ici? Ça, c'est une poire. Baldé, c'est quoi? Faisal, c'est quoi? Comment on dit? Mawa, c'est quoi? Asani, c'est quoi? Ah, d'accord, on continue. Je vais vous taper tous. S'il faut chercher un bâton, je vais chercher un bâton. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous là, j'ai pris le temps de parler du micro et j'ai dit que le micro numérique est carré, se trouve toujours en bas. Vous avez un connecteur de batterie qui est en bas. Vous voyez le connecteur de batterie, vous voyez le connecteur de charge qui est là, on est en train d'enlever. Et vous n'avez même pas. Non, moi, je n'étais pas là en ce moment. Non, je continue. Bien, je vais enlever l'étain que j'ai mis pour permettre à ce que le connecteur de charge puisse bien passer. C'est parce que je dois le souder. Donc, s'il est un peu obstrué, on ne peut pas le placer. Donc, quand je l'enlève, je dois utiliser maintenant la solution IPA pour pouvoir nettoyer, enlever la pâte à braser que j'avais mis. Je vais nettoyer, enlever la pâte à braser pour le rendre propre. Voilà. Et ensuite, il faudra encore mettre le flux pour pouvoir éviter les quoi, comment on les appelle, les morceaux et tout ça. Les rendre un peu plus propres. Je vais ensuite mettre l'étain pour permettre à ce que l'étain, c'est l'étain qui va maintenant fondre. Soit je vais utiliser l'étain soluble. L'étain soluble, c'est l'étain pâteuse, la pâte. Hein? Et je vais positionner sur le tube pour pouvoir. Ça dépend. Si je veux utiliser l'étain comme ceci, je vais remettre ça. Ensuite, pour permettre à ce que lorsque je vais poser mon truc, je vais souffler et. Ça va se fondre pour que le contact puisse se passer. C'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Vous allez d'abord dessouder et ensuite le ressouder. Il faut faire attention pour ne pas créer de court-circuit. Il faut être très attention pour ne pas créer de court-circuit. Très très attention de ne pas créer le court-circuit. Alors, vous allez prendre vos fers à air chaud. Vous prenez les fers à air chaud. Vous prenez les cartes. Cartes. Fers à air chaud. Vous branchez, vous mettez le flux. Vous mettez le flux. Mettez le flux. Vous allez mettre le flux. Et après avoir mis le flux maintenant,